Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Donc je vais vous passer en premier tout ce qui n'est pas scrap, hein, comme ça. Et puis je vous mettrai un petit mot. L'autre jour j'ai oublié. Toutes mes excuses. Donc action. Bon, rien de folichon. Hein. J'y suis allée spécialement pour ça. Voilà, pour le blanc. Donc, franchement, je mets une cuillère dans la machine et ça sort très très blanc. Mais je mets aussi en plus ceci. Voilà, pour le couleur, non. Par contre, pour, vous voyez, Super White. C'est marqué ici. Là, Super White. Et franchement, mon linge sort nickel chrome. Voilà. Donc ça, lui, il fait 4, je ne vais pas vous dire des bêtises, mais il fait 4,84 euros. Après le deuxième, je vous le mettrai au montage parce que là, je ne l'ai pas. Ouais, enfin, je le cherche, donc... Voilà, donc ça, c'est fait. J'ai pris aussi, je suis allée pour prendre ça, c'est à base de bicarbonate. Donc, c'est un nettoyant, hein. Multi-surface. C'est Pink Limonade, ça s'appelle. Donc, en français, c'est là. Normalement, je dis bien. Espagnol, étudié français. Spray nettoyant, bicarbonate de soude. Mode d'emploi, enlève la saleté, la graisse et les taches tenaces. C'est un nettoyant, donc idéal pour vos nettoyages ciblés. Bicarbonate peut être utilisé sur de nombreuses surfaces dures, notamment le verre, l'acier, les plans de travail, les sols et bien plus encore. Bon, moi sur la lue, tout ça, je ne mets pas hein, parce que non, je trouve que ça bouffe. Bon, enfin, bon, bref, faites comme vous voulez. Là, moi je ne le mets pas, après chacun fait comme il veut. Donc celui-là, je vous montre le montage. Après j'ai pris quoi? Oui, j'ai pris dans les promos, hein, dans les promos, la semaine de promo, j'ai pris ça, les chaussettes Loto, donc pour femmes, 35-38. Elles sont pas mal, moi j'aime bien. Elles sont un peu épaisses, je trouve, c'est pas vraiment pour l'été. C'est pour maintenant. Et pour garçon, donc là, c'est du 39-42. Et elles sont pas mal aussi. Elles sont pas très chères, je crois. Elles sont à 2 euros des brouettes. Alors, je sais pas où elle me les a mis à la fin, au début. Je n'en sais rien. Alors, Socket Loto de 48. Ça va. Donc, je pense que les hommes et les femmes, c'est pareil. Donc ça, c'est bon. Ensuite, j'ai pris une sauce barbecue. Donc on va goûter celle-ci. Je ne l'ai jamais goûtée, donc on verra bien. Écoutez, voilà. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris donc des crackers, mais c'est salé, hein, au pop-corn. Au maïs ou au popcorn, comme vous voulez, je vais le chercher en français, peut-être que c'est marqué. Ce sont des gaufres de maïs au sel marin, voilà, tout bêtement. Donc c'est salé, vous pouvez donc faire des petits encas dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai repris donc mes nouilles chinoises au bœuf, donc j'en ai pris 4. Le soir souvent je me fais ça m'évite de faire à manger mon mari lui on fait à manger à midi comme ça il a pour midi et soir. Ensuite j'ai pris c'est un ventilateur ici, je sais pas si vous le voyez, ouais vous voyez, avec une réserve d'eau, alors c'est pas mal. Je l'ai pris maintenant parce que je sais qu'après il n'y en a plus. Voilà. Il y a un tout petit tournevis même pour l'ouvrir dedans, vous voyez. Il est tout petit, là, cruciforme. Voilà.
Je pense que c'est pour ouvrir le. Ouais, il est là. Oui. Je pense que c'est pour ouvrir ici. Vous voyez, un petit, une petite vis pour les piles. Voilà. Pour pas que les enfants aient accès, en fait. Hein. Voilà. Donc, il est brumisateur et ventilateur en même temps. Ensuite, dans le jardin, oui, j'ai pris un petit escargot. Alors, ils sont trop marrants, il y en avait plein. Hein. Petit escargot et un petit flamant rose. Donc, c'était pas très cher, ça, 1 € et des brouettes. Voilà. Trop mignon, ça c'est solaire, hein, ça s'allume. Voilà, toujours pareil. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, en promo, il y avait, la semaine promo, il y avait donc ceci à 6 €. Je vais vous dire le prix. Parce que je crois que je l'ai en premier. Non, pas 6 €. Je dis des bêtises, moi. En plus, je l'ai vu. Je regarde s'il y a. Non, si c'est il n'y a pas, mais. Je l'ai vu tout à l'heure. Par exemple, les crackers salés, vous savez, les galettes de maïs, ils appellent ça des gaufres, mais bon, c'est des galettes de maïs, hein, au sel de mer. C'est 1,19 € les 4. Donc ensuite, on a, je cherche toujours mon truc là. Boîte de rangement, c'est pas ça. Les sous-quêtes. Okay. Boîte à perles, non, c'est pas ça. Rocaille non plus. Panier en métal. Non, ben, je ne le trouve pas. Maintenant que je le cherche. D'ailleurs, je suis tombée dessus. Bon, ben, chargeur. Je verrai ultérieurement au montage à vous donner le prix. Alors, le ventilateur brumisateur, il fait quand même 2,99 €. Hein. Donc. Les soquettes, c'est le même prix, 2,48, 2,49. Voilà, voilà, rechargeable. Alors, les piles, donc les 4 petites comme ça, c'est 4,39 € quand même. Hein. 4 €, attendez, non, je vous dis des bêtises. 2,99 €, pardon. Et le chargeur, 6,95 €. Voilà, c'est bien ce que j'avais vu. 6,95 €, donc vous mettez des petites ou des moyennes comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Voilà, ça vous avez eu le prix. Ensuite, on a pris pour nettoyer les grilles du barbecue, donc racler et nettoyer. Ici, vous avez une brosse qui pique, en fait, c'est un genre d'éponge pour gratter, et ici, vous avez donc la brosse en fer, et ici, vous avez un racloir. Si vous voulez racler, vous voyez, même vous pouvez faire grille sur lamelle sur lamelle. Hein. Il est pas mal. Ensuite, j'ai pris des cajous, mais non salés. Je vous mettrai le montage tout à l'heure. J'ai pris celle-ci. Bon, je sais qu'elle pique, hein, mais c'est pas pour moi, c'est pour les jeunes. Voilà. C'est un mélange mix de cacahuètes. Alors, mélange de cacahuètes enrobées et de biscuits de riz aux épices piquantes. Voilà. C'est hot mix. Je mettrai le prix aussi. Ensuite, j'ai pris. Bon, ben, au niveau de la bouffe, je crois que c'est tout. Donc, j'ai repris un jeu pour mon petit-fils. Donc, il aime bien tout ce qui est mots. La durée du jeu, environ 15 minutes. 4 ans et plus. Hein. Voilà. C'est chouette d'apprendre. Donc, on verra qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Voilà, il faut les attacher pour former un mot. Par exemple, là, il y a le sac. Et il faut écrire sac. Là, il y a un fil. Il faut écrire fil. On va voir ce qu'il va faire. Donc ensuite, j'ai commencé à acheter pour son anniv, comme parce qu'après, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bougies, il n'y a plus de... Voilà, le ballon comme ça, il n'y en a plus. J'ai pris des petits trucs.
trucs comme ça pour cet été, pour les cocktails et compagnie. J'aime bien. Voilà, c'est tout pour le non-scrap. Après, je vais attaquer le scrap. Alors, pour les personnes qui s'en vont, parce qu'elles ne veulent pas regarder. Pardon, ça me gratte. J'arrête pas de faire des crises d'asthme là, en ce moment avec tout ce qui vole dans l'air. Oh, c'est chiant. Alors, ça fait peut-être un peu partie du non-scrap. Ce sont des rideaux de fil. Voilà. Donc, tout simplement, en papier, hein, bien sûr. Donc, je vous dis bye bye à celles qui s'en vont et bienvenue à celles qui vont regarder pour le scrap. Alors, il n'y a pas grand-chose, comme d'habitude. J'ai rien trouvé de neuf. Donc, j'ai repris donc ces enveloppes. D'accord? Pour mettre toutes les découpes parce que voilà, ça ne sort plus avec les découpes, les restants de papier. Donc, le peu de papier qui reste, ben, il faut le ranger. Donc, ça, c'est très bien. Voilà. Donc, elles sont à 0,44, il me semble, les poches comme ça. Ça va, c'est pas très, très excessif. Ensuite, j'ai pris parce que je suis arrivée, il était devant moi, devant mes yeux, en fait, un vintage. Voilà. Avec glitter. Il est très joli. Je vais vous le passer comme ça, peut-être. Ce sera mieux. Je sais pas si c'est nouveau ou pas, je ne sais rien. Voilà le papier. Il est très joli, hein, j'aime bien. Alors, il y a deux papiers de chaque, des petites hirondelles. Voilà. Ça, c'est très psychédélique. Je dirais plutôt art déco, mais bon, ils ont mis vintage. Voilà. En ce moment, c'est l'anniversaire du Art Deco. Alors, là, il y en a deux. Ensuite, on a celui-là. Celui-ci est joli, il est simple. Celui-ci. C'est beaucoup dans le marron. Hein. Il y a celui-ci. C'est or et marron, je pense. Il y a celui-ci. Très beau. Celui-là. Ouais, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien, même pour vous dire. On a fait des courses et on est parti en même pas un quart d'heure, je crois. On a eu plus de route tout à l'heure que de l'intérieur du magasin. Ensuite, celui-là, nid d'abeille. Hein. Celui-ci, très foncé, mais il est joli. Et le dernier. Ce sont des petits pois, glitter et marron. Voilà. Voilà, le vintage. Bon, je vais le laisser là. Ensuite, j'ai pris un pot. Je sais pas si c'est essentiel alors que je vous montre, mais c'est un pot pour mettre les crayons. Et ça, c'est pour mon dos. J'ai pris donc des perles parce que je n'ai pas de perles. Elles sont toutes renversées pendant le déménagement, j'ai plus rien. Donc voilà. Ah non, c'est là. De ce côté. Donc dedans, il y a une autre pince que je vais donner à mon mari parce que moi j'en ai deux déjà. Donc il y a beaucoup de petites perles. Donc des petites perles de rocaille. Nous on appelle ça de rocaille. Puis après, elle est un peu plus grosse. Hein, voilà. Alors, je trouve que celles-ci, par exemple, elles font très plastique. C'est des trucs que je ne mettrai pas. Voilà. Je vais même, je pense, pas les jeter, mais les mettre dans un bocal. J'aime pas trop ce système. Voilà, ce que j'aime bien, c'est ça, là, ici. Voilà, après, les transparentes. Heureusement que j'en ai quelques-unes quand même. Voilà. Et ici, on n'a que des petits pots. Des tout petits pots, alors c'est des petits pots de comment vous expliquer, ben c'est par quatre hein, et ce sont que des petites perles de rocaille. Voilà,
Ni plus ni moins. Et il y a un peu de toutes les couleurs. Alors, je préfère la perle de rocaille, c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, c'est marqué perle de rocaille. Et il y en a 48. Donc, bon, je pense qu'avec ça, je vais pouvoir faire quelque chose. Parce que j'ai un truc à faire. Ensuite, j'ai pris quoi? Oui, j'ai pris ces petits cœurs que j'ai repris. Ils sont très, très jolis, très mignons. J'ai pris des petits smileys. Voilà. Une corne. Des petits smileys. Rigolo. Et des petites fleurs que j'ai repris. Il y avait les pastèques, mais bon. Voilà. Et là, j'ai pris la libellule, enfin, parce qu'il me manquait le voilier. Le voilier et la libellule. Et j'ai eu le voilier l'autre fois et la libellule aujourd'hui. Voilà. Ensuite, je me suis acheté pour mettre mes tampons parce que la boîte que j'avais s'est cassée. Donc, pour mettre mes tampons, j'ai pris ça. Je vais voir ce que ça donne. Et je me suis acheté donc une ficelle. C'est ce panier-là, mais en le plus petit. Il est déjà à 4 euros quand même. Après, vous avez le grand avec le couvercle. Bon, moi, celui-là, il n'a pas de couvercle. Il a deux poignées ici. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, comme j'avais plus de poubelle ici, eh bien, j'ai racheté une poubelle. Voilà, écoutez, ben, le petit haul est terminé. Je vous souhaite une bonne journée, fin de journée, pardon. Et puis, on se dit à bientôt, pour une autre vidéo. Bye bye!